Oh là les riders. Bonjour Maëlie. Salut Maëlie. Salut Maëlie. On est où exactement? À Crucero, caserne de pompiers de Crucero. Départ depuis Santiago, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on est allé chez Bertrand. Bonjour messieurs. Vous allez bien? Ah, je vois que c'est une belle forme pour ce premier jour à Santiago. Fatigué. Un petit commentaire, Léo, sur ta deuxième journée parmi nous, à nouveau, après un mois et demi à écumer les 5 étoiles de toute la planète. Très content de retrouver les 3 autres riders. Voilà. Entier. Entier. T'es pas gagné avec ce qui s'est passé au Pérou. Eh oui, un petit porridge. Alors d'abord, on met en route la machine. Ça, c'est pour que le porridge devienne gourmand. Alors Léo, est-ce que ça vaut un déjeuner 5 étoiles dans un hôtel? Oui, absolument. Ah putain! Je me suis mis la selle dans le cul. Je filme le Pariero, Pariero qui no es de Chile, ahora. Pariero franchute. C'est qui fait les meilleures grillades au Chili? Yo. Donc on met directement le paquet de charbon dans le feu, on est bien. C'est comme ça qu'on fait au Chili. Voilà, on reste ça. Et oh Maxime, je te prends de court. Un peu comme ça, spontané là. Eh oui, exactement. Pas mal non comme spot? Bah, on a une jolie vue. Et on a réussi à trouver sans trop se battre un endroit plat, sans barrière. Ah non, c'est vraiment très très joli pour le coup. Vraiment très joli. Petit campement pour la nuit. Ah, les crevaisons ne nous avaient pas manqué depuis le Pérou, mais au Chili aussi. Première crevaison. Alors voilà, des fois on fait des jolis petits montages en musique, c'est tout sympa. Et l'aventure c'est aussi ça, se taper des routes de merde avec des pentes à 14% ou plus, et puis du sable, comme ça tu patines. Ah, on adore ça, on adore ça. Ça fait 4 heures qu'on roule, on a toujours pas bouffé. Puis le prochain village est encore dans 10 km. Ah mais on aime. Léo, un commentaire. Antoine, un petit commentaire sur les mesures. La dernière mesure, j'avais toujours eu des bilans super bons. Léo, plutôt confiant? Oui, oui, oui. Moi, j'ai pas eu droit au stage pâtisserie Pérou, donc je suis vraiment confiant. Moyen, moyen, là. C'est ça, moyen, moyen. Bah, il y a une prise nette de 10%. Quand vous êtes parti de la côte, vous êtes remonté une vallée. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, dans cette vallée? Du dénivelé. Oh, c'était une longue vallée. Ouais. À peu près, je sais plus, 60-70 bornes. Et presque tout au fond de cette vallée, il y avait une magnifique cascade qu'ils appellent cascade inversée. Mais elle nous a coûté cher.
Mais elle a coûté cher. Très bien. Messieurs, on est arrivé où ? La cascade inversée. Comment on est arrivé là ? À vélo. On s'est tapé quand même 400 km depuis le bord de l'océan pour aller voir cette cascade. Pas mal de montées, donc là, elle a intérêt à être bien. Elle a coûté cher.